Salut, bonjour à tous. Nous espérons que vous avez un excellent réveil du mercredi. Vous êtes les bienvenus sur Actu Matin, c'est votre matinale. Installez-vous dans le sommaire, les tractations dans les formations politiques. À mesure que nous approchons des élections législatives de janvier 2023, la jeunesse se mobilise et se positionne pour. Sur Actu Matin, parole aux jeunes militants. La série continue avec nous depuis lundi dernier, ce mercredi. Nous irons dans le camp de l'opposition et en milieu FCBE, Force Coury, pour un Bénin émergent. Il y a environ 5 mois, le mouvement national des jeunes du parti, dirigé par Paul Hunkpe, s'est lancé le défi d'aller à la conquête des sièges du Parlement, 9e législature, et de s'imposer. L'objectif est-il toujours d'actualité? Sera-t-il atteint? Et quelles sont les garanties à pratiquement 6 mois de l'échéance? La jeunesse, dans son ensemble, est condamné à faire ses preuves, écrit le journal Fraternité, puisqu'on constate un renouvellement de la classe politique. Nous verrons ce qu'en pensent les jeunes Force Coury pour un Bénin émergent, puisque nous mènerons la discussion ce matin avec Awali Mohamed Akintola. Il est le coordonnateur du mouvement national des jeunes FCBE. Restez avec nous. Dans la suite, puisque nous sommes mercredi, on a rendez-vous avec l'acteur du droit. Ce matin, il sera question de la protection sociale du mineur en République du Bénin. Que prévoit le code de l'enfant? Nous aurons les précisions et explications de Maître Alexandrine Saïzonoubédi, l'avocate au barreau du Bénin, l'invité d'Ouralès Sedlex de Herman Parfait, Alien Boussou. Ainsi se présente le programme de votre matinale. Merci de nous choisir. Installez-vous. La météo, juste après, vous aurez la une des journaux. Réveil ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On va découvrir les gros titres de la presse et c'est avec vous, Wakabali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Dans la parution de ce matin, on parle politique et c'est Fraternité qui annonce les couleurs. Renouvellement de la classe politique au Bénin, la jeunesse condamnée à faire ses preuves. Et puis Kadri Gandé Bata, coordonnateur BR à Parakou au sujet des élections législatives à venir, les élections législatives de 2023, les jeunes doivent prendre conscience que la violence ne mène à rien. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. Mandaté par la CEDEAO pour une mission de médiation en Guinée, obligation de résultat pour l'ex-président béninois Boni Yayi. Symposium sur l'état de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CORAF partage les solutions intelligentes, des solutions intelligentes face au climat avec les experts. On va maintenant à la une de Soleil Levant, Union progressiste. Après l'arrivée de Joseph Diogbénou, le bouleversement continue dans d'autres instances. Le président s'inquiète des conditions de travail du personnel administratif. Le journal qui donne à voir, hein, la nouvelle équipe de l'Union
progressiste qui a fait bien entendu un tour au niveau de la direction exécutive, au niveau de l'administration du parti. Démission de Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle. Ladislas Agbessi parle d'un théâtre et d'un non-événement. Pendant ce temps, il y a Brice Fagbemi qui salue le choix d'un homme clairvoyant à la tête de l'Union progressiste. Quotidien Le Radar. Commune de Zayanado, la sous-section BR d'Ovi envisage les législatives avec la bonne pioche. Pour la crise en Guinée, Boniyayi et Théodore Olo, deux envoyés de la CDAO à Conakry. L'investigateur du jour cette fois-ci, Christelle Houndonoubo, directrice administrative de l'Union progressiste, ses propos rapportés ce matin par l'investigateur du jour avec le président Joseph Diogbenou et l'existant, nous n'avons pas d'inquiétude au sein du parti Union progressiste. Royogbe, projet Connaître le Bénin, le coordonnateur UP Donald Alessis Akakbo accueille des femmes du Septentrion. Les quatre vérités, inauguration de la première grande centrale photovoltaïque, centrale solaire photovoltaïque, Talon et Donat Jean-Claude Oussou poursuivent la dynamique de l'autonomie énergétique du Bénin. Et puis, entretien avec Christelle Houndonoubo. Enfin, elle rassure les militants de l'Union progressiste. Je pense que le président Diogbenou réussira sa mission. Propos de Christelle Houndonoubo, rapporté par les quatre vérités. Info matin. Décryptage des méandres des accords de coopération monétaire. Guy Mitokbe exhume les pièges tendus aux pays africains. Et puis dossier Sébastien Ajavon, un peu plus de 100 millions de biens mis en vente, précise Info matin. On va maintenant à la une de Défi Info. Pour finir, Christian Dandéjan, rajeunissement de l'organe dirigeant de l'Union progressiste. Joseph Diogbenou est un homme pétri d'expérience, dit cite Brice Fagbemi. Et puis, dans le cadre de la réalisation de ses projets pour la jeunesse de la commune d'Aboumé-Calavi, il y a Arsène Yaouvi qui était au cabinet du maire Angelo Arwandinou. Le journal Défi Info donne à lire sa déclaration après son tête-à-tête avec le maire de la commune d'Aboumé-Calavi. Voilà, Christian, tout rapide, hein, d'apparition ce matin avec Fraternité qui revient sur le renouvellement de la classe politique au Bénin. La jeunesse est condamnée à faire ses preuves, précise Fraternité. Justement, avec le signal donné par le parti Union progressiste, on le sait, puisque ça fait d'ailleurs l'actualité depuis quelques jours. Et depuis lundi, sur Actu Matin, bien, nous donnons la parole à la jeunesse afin qu'elle puisse se prononcer sur cette actualité de renouvellement de la classe politique. Ce matin, nous ouvrons nos portes au parti Force Corée pour un Bénin émergent avec le mouvement national des jeunes que nous recevons en plateau. Ce mouvement représenté par son coordonnateur national Awali Mohamed Akintola qui est notre invité ce matin. Je vous propose de parcourir les colonnes du journal Fraternité, notamment en sa page 3 pour découvrir cette analyse de Angelo Dosumu sur le renouvellement de la classe politique où il dit que la jeunesse est condamnée à faire ses preuves. Et toujours dans les colonnes du journal Fraternité, parole à Kadiri Gandé-Bata qui est coordonnateur BR à Parakou au sujet des législatives de 2023 et qui pense que les jeunes doivent prendre conscience que la violence ne mène à rien. Et puis dans l'actualité ce matin, il est aussi question de cette mission confiée à l'ancien président béninois Boniyayi par la CEDEAO, la mission de médiation en Guinée-Conakry. Il y a donc obligation de résultat pour Boniyayi, écrit ce matin Moïse Dosumu. Au-delà de la personne de Boniyayi, c'est tout le Bénin qui est ainsi honoré par l'organisation sous-régionale. Et donc, vivement que l'ancien chef d'État soit bien inspiré afin que son implication active, le bout du tunnel, soit atteint et que le peuple guinéen sorte de ses tétouahab à l'Ikbara. Ce sont les propos
du journal Fraternité, son analyse ce matin. Oui, l'analyse du quotidien Fraternité hein, qui trouve qu'il y a une certaine obligation de résultat pour le président Boni Yayi. Boni Yayi qui est revenu, ma foi, au devant de la scène puisque ses compétences et son management est sollicité pour travailler à ce que la transition au niveau de la Guinée qu'on a créée, n'est-ce pas, soit revue et que tout puisse bien se passer. Mmh. On va espérer, puisque là, c'est l'image du Bénin qui se déplace à travers Boni Yayi. C'est espérer que, n'est-ce pas, les résultats escomptés soient atteints de manière à ce que le Bénin également soit davantage, je dirais, cité dans la diplomatie. Dans la diplomatie, parce que qu'on le veuille ou non, qu'il s'agit de la tête de Boni Yayi, encore une fois, c'est le visage, c'est l'image du Bénin qui est en déplacement. C'est le Bénin qui est, ma foi, désigné pour jouer les médiateurs entre la CDAO, n'est-ce pas, et les parties prenantes au niveau de la Guinée-Conakry. On va donc souhaiter bonne chance à Boni Yayi de manière à ce qu'il revienne, je dirais, avec une bonne couronne. Juste, merci à vous. Wahabali Perra, on vous retrouvera à l'heure du forum de discussion tout à l'heure. À tout de suite, avec plaisir. On parlera politique. À tout de suite. Allez, la suite de la matinale, ce sera dans un instant avec William Cliquant qui nous présentera le bulletin matinal de l'information avec la rédaction de Canal 3 Béla. Restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. À Cotonou, les femmes se servent des mèches pour s'offrir une nouvelle apparence. Le choix du style, couleur, taille et autres reste personnel. Pour beaucoup, le noir est plus simple et joli. Quand je vois quelqu'un qui a des cheveux multicolores sur la tête, je me dis automatiquement que celle-là n'est pas sérieuse. Sincèrement, parce qu'un homme, il n'a pas besoin de tant de couleurs sur la tête avant d'aimer une femme. Bon, moi j'aime les couleurs uniques. Ça dépend du goût de chacun et de son âge. J'en avais fait, mais aujourd'hui, je ne fais plus. Seulement qu'il y a certaines couleurs que les enfants d'aujourd'hui font qui ne sont pas trop jolies. On dirait même que nos filles d'aujourd'hui n'ont plus du goût, elles ne savent plus quelle couleur mettre avec l'autre pour que ça attire les gens. On ne peut pas refuser ça à nos enfants. Elles peuvent faire ça, mais il faut savoir les agencer. En couleur, il y a le monde, il y a le thème, il y a le noir, bleu, mélange. Il y a des couleurs qui sont fabriquées comme ça et d'autres que nous mélangeons. Parmi les clientes, certaines demandent des mèches de couleur verte ou rouge vif. Ça nous indispose, mais on n'y peut rien, puisque c'est l'argent qu'on cherche. Parfois, on leur suggère des couleurs moins vives, mais elles refusent et avancent comme argument qu'elles veulent se faire remarquer. Si une cliente s'est déjà décidée depuis chez elle de faire une mèche de couleur verte, il n'y a rien qui puisse la faire changer d'avis. Sinon, elle ira chez une autre coiffeuse. Pour d'autres, ce sont les maris eux-mêmes qui exige ses tresses. Pour d'autres, c'est un phénomène qui est récurrent, non seulement chez les jeunes filles, mais aussi chez les enfants. Je ne conçois pas cela. On puisse mettre les cheveux sur la tête des enfants, des couleurs, non? Même avec les âgés, on sait que c'est eux-mêmes qui ont fait le choix, tout ça, là, c'est bon. Maintenant, avec les enfants, vous leur apprenez quoi? C'est ça qui amène
N'oublions pas que c'est l'éducation. L'enfant, c'est l'éducation. Et quand tu commences par lui mettre ses cheveux couleur sur la tête, c'est pour l'amener à faire n'importe quoi demain. C'est ça. Aujourd'hui, on se plaint de moralité, d'immoralité des enfants et autres, là, mais c'est les parents. C'est aussi les parents, ils ont y contribué aussi. L'enfant ne connaît rien. Donc, c'est aux parents d'être responsables d'abord avant de faire ces genres de cheveux sur la tête de son enfant. Les mèches couleur là, si c'est interdit dans la vie de ton enfant, de ta fille, et tu la laisses faire, ça peut conduire à son malheur. Parce qu'elle sera belle, très jolie, mais elle ne peut pas attirer les hommes pour que les hommes pensent à l'épouser. Parce que dans son destin, la couleur qu'elle a l'habitude de faire là, lui est interdite. Rouge, rose, bleu, blanche, voici tant de couleurs adoptées par ces femmes. Si ces tresses sont faites pour des raisons d'esthétique, elles ne sont pas sans conséquences, à en croire certaines personnes. Sur le plan spirituel, ce sont les esprits des eaux, les mauvais esprits que nous rencontrons dans ce genre de choses. Lorsqu'un humain décide d'être comme ces esprits invisibles, il finira comme eux. Ils vont te commander et même te manipuler. Là, c'est toi-même qui t'es créé de problèmes avec tes envies. La majorité pense qu'on peut se faire belle en étant toute simple, sans extravagance. D'ailleurs, ces femmes qui ont ces tresses sont mal vues par la société, affirme-t-elle. Pour d'autres, c'est un manque d'éducation. C'est partir pour 3 jours d'échange entre les experts du ministère du cadre de vie et du développement durable et ceux de l'UEMOA pour la mise en place du comité de suivi du schéma de développement de l'espace régional SDER. Il s'agit d'un projet pour relever les défis sécuritaires, alimentaires et par la même occasion, accélérer le développement économique au sein de l'espace à l'horizon 2040. Un document de prospective territoriale appelé à intégrer d'autres domaines révélateurs des fonctions futures de l'institution communautaire. Vous convenez avec moi l'importance de cet atelier et la nécessité de mettre en place un dispositif institutionnel au niveau national pour assurer le suivi de la mise en œuvre du SDER. Le comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional sera principalement chargé de partager les grandes orientations du développement du SDER et celles de l'agenda spatial du Bénin. Les attentes sont nombreuses. Et nous savons très bien que, autant que vous êtes non seulement aguerri, mais disponible et disposé à faire en sorte que les objectifs soient atteints. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier à Cotonou. Je souhaite que les quelques jours que nous avons passés ensemble nous rapprochent de l'objectif. Il est attendu des membres du comité national du SDER qui seront installés au cours de cet atelier leur expertise pour l'atteinte des objectifs fixés. Et de deux pour l'école d'été sur l'intelligence artificielle de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence. Il s'agit d'une initiative inédite en matière de pédagogie conçue par des jeunes gens et jeunes filles qui ont bénéficié des bourses d'études de la Fondation Odon Vallée en France. Collectivement, quand nous nous rencontrons entre anciens boursiers en France, nous nous posons des questions sur ce qui se passe bien et ce qui se passe le moins bien. Et le point qui fait l'unanimité, c'est que nous, les Béninois, nous sommes très forts quand il s'agit de théorie et nous sommes beaucoup moins forts quand il est question de pratique. C'est fort de ce constat que l'ensemble des boursiers, dont moi, avons décidé d'instituer quelque chose pour aider nos jeunes frères béninois dans le domaine de la pratique, de la programmation, de l'intelligence artificielle en général. Et l'expérience commencée il y a 1 an suscite aujourd'hui un engouement inespéré. Plus de 5000 jeunes ont postulé pour la centaine de places disponibles. 150 d'entre eux ont été sélectionnés pour une formation qui se fera avec un ensemble d'outils et de méthodes permettant aux machines d'agir comme des êtres humains. L'ambition de Bénin Excellence et l'ambition de la Fondation Vallée,
c'est de faire en sorte que nous, les Béninois et les Africains, fabriquent eux-mêmes des technologies, soient eux-mêmes auteurs de leur modèle de machine learning et soient mieux disposés à une certaine souveraineté sur le plan numérique et donc sur le plan aussi stratégique. Il est donc question d'une révolution technologique. La formation, elle, sera étalée sur 4 semaines avec des modules comme la programmation, l'apprentissage mathématique et le robotique. Cette année, il y a 2 innovations majeures. L'organisation d'un cours d'initiation à la programmation junior pour les enfants et l'ouverture vers d'autres pays d'Afrique francophone dont les participants ont été présentés à l'assistance. Derrière, il y a le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et la Fondation Odon Valley, connue pour la grandeur de son réseau de bibliothèques. Ces bibliothèques, il n'y a pas l'équivalent nulle part au monde. Nous atteignons cette fois-ci 2 500 000 lecteurs dans l'année. Pas un seul réseau de bibliothèques n'a ça. Nous avons 10 fois plus de lecteurs que l'excellente Bibliothèque nationale de France, avec plein de bouquins d'intelligence artificielle. Il y en a 4 ou 500 dans nos bibliothèques et on va doubler le chiffre dans un mois. À cette cérémonie d'ouverture, le représentant de l'ambassade de France au Bénin et celui du gouvernement, qui vient du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont demandé aux participants de prendre surtout en compte la dimension éthique de cette formation. Cette école d'été prend fin le 13 août prochain. Face aux journalistes ce lundi, des responsables du CORAF, entendez, Conseil Ouest et Centrafricain pour la Recherche et le Développement Agricole. Cette conférence de presse est organisée pour annoncer la tenue dès ce mardi à Cotonou d'un symposium axé sur le thème « Technologie et innovation, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence ». L'actualité de ce thème n'est plus à démontrer. C'est un thème d'importance socio-économique et surtout transversal qui touche à plusieurs pays, en tout cas au moins aux 23 pays couverts par les activités du CORAF. Et donc le CORAF, à travers les activités du projet TAXPRO, organise ce symposium dans le souci de réunir plusieurs parties prenantes, des chercheurs, des organisations de différents pays qui viendront donc partager leurs expériences, les acquis transférables dans le souci de répondre à ces objectifs. L'objectif global du symposium est de faire l'état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CORAF, qui met en œuvre le projet TASPRO, réunit 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et a entre autres pour mission d'assurer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté de la population. Bénin fait partie des pays bénéficiaires du projet TASPRO. Donc c'est à travers ce projet-là que nous sommes ici au Bénin. Le Bénin, pour nous, est un pays géographiquement bien positionné pour accueillir les participants qui viennent dans les différentes régions, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Donc l'accessibilité est là. Et aussi, le fait que les participants viennent au Bénin, ça a des difficultés, des problèmes, des visas. Et autre chose, nous sommes très très contents et on remercie le gouvernement béninois pour l'engagement total pour cette symposium. Le Bénin est honoré d'accueillir ce symposium qui réunira plus d'une centaine de participants. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, attend beaucoup de cette importante rencontre. D'abord, c'est une occasion inouïe pour nous de profiter des riches expériences des chercheurs participants, de prendre connaissance des technologies et des connaissances qu'ils vont partager avec nous, de nous les approprier pour une meilleure illustration, utilisation dans l'intérêt de toutes les populations bénéficiaires. Nos attentes sont également que le symposium se déroule parfaitement sur tous ses aspects, aussi bien scientifiques, intellectuels, logistiques. 4 thématiques sont prévues au cours des travaux scientifiques du symposium qui prendra fin jeudi prochain. L'agriculture intelligente face au climat, adaptation et atténuation,
les ravageurs et maladies transfrontalières des plantes, la restauration des terres dégradées et la gestion de l'eau et de la fertilité des sols et la post-récolte. Signature et échange de documents pour matérialiser la nouvelle coopération du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS avec la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'élevage des forêts du Cameroun. Et ce samedi, les deux parties, à travers cette cérémonie de signature du mémorandum d'entente, ont réaffirmé leur volonté d'accord et surtout leur engagement à promouvoir le secteur agricole et ses dérivés. Ceci au regard de la structure économique des pays africains qui ne peuvent se développer sans la promotion de l'agriculture et de l'agro-business. En fait, le FAGAS, qui dont le rôle est d'accompagner les États, met le secteur rural dans ses priorités. Je rappelle qu'en termes de bilan, le FAGAS a permis de mobiliser plus de 2700 milliards de francs CFA dans ses États membres et environ plus de 500 milliards de francs CFA ont été mobilisés en faveur de l'agro-industrie. Ce niveau d'intervention dans le secteur agricole, bien que remarquable, doit être porté à la hausse pour le bien de nos pays et de la jeunesse africaine qui, de plus en plus, s'investit dans le secteur de l'entrepreneuriat rural. Le partenariat scellé permet donc à moyen et long terme de combiner les actions des banques porteuses à celles du FAGAS et de la CAPEF afin de mobiliser les ressources financières au profit des acteurs de l'agriculture, sans oublier la transformation au plan local. Pour le président de la Chambre consulaire du Cameroun, ce partenariat témoigne de l'engagement du gouvernement de son pays à développer les secteurs porteurs. Au Cameroun, l'un des problèmes qui mine le développement de l'agriculture d'une manière générale, agriculture, élevage, pêche, forêt, c'est la question du financement. Donc nous avons donc regardé ce qui se passe au niveau du FAGAS, qui est une institution créée par nos États. Nous sommes parvenus donc à l'élaboration de ce mémorandum d'entente qui va gouverner dans notre relation sur deux aspects. Premièrement, la couverture des crédits que nous allons avec les banques offrir à ceux qui veulent développer leurs activités agricoles, mais également la recherche sur les marchés intérieurs et extérieurs, des financements dédiés à tout ce qui peut se faire dans toutes les chaînes de valeur agricole, notamment la transformation. Les autres axes de cette coopération entre le FAGAS et la CAPEF Cameroun portent sur le renforcement des capacités des entrepreneurs ruraux et de leurs collaborateurs afin qu'ils puissent produire des études de faisabilité éligibles aux interventions des banques et institutions financières. Ce mémorandum d'entente est le signe de nouvelles opportunités pour les PME et PMI du Cameroun. Allez, c'était le bulletin matinal, le tout image sur Actu Matin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit. Destination 9h. Et dans un instant, on fera le point de l'actualité sportive avec vous, Ali Moumouni. Bonjour. Bonjour, Christian. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et vous aurez un invité déjà en plateau, Zéphirin Hunkenou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur technique de la Fédération béninoise d'athlétisme. Avec vous, on fera le point des championnats nationaux d'athlétisme qui se sont déroulé du 8 au 10 juillet dernier au stade de l'Amitié de Cotonou. On observe la pause. Allez, Ali, on commence par le football. Les écureuils locaux s'étaient inclinés hier face à leurs homologues congolais. Oui, c'est un match amical préparatif pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de 2023 après la victoire donc 1-0 des écureuils lors du match aller qui s'est déroulé au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Les Béninois se sont inclinés, comme vous l'avez dit, hier donc pour la manche retour. Cette rencontre qui a eu lieu sur le même stade, sur le score d'un petit but à zéro, alors qu'en retour. Oui, un petit but. Oui, mais c'est un petit but. Un petit but. Ça fait bien zéro. Et si l'on retire la performance des poulains de Moussa Ladounji, il y a de quoi s'inquiéter de nouveau de la performance
des niveaux de cette équipe nationale locale qui donc voilà hier alors qu'elle semblait avoir le match en main à encaisser. Vous voyez, bien sûr, c'était dans des situations pareilles qu'ils ont encaissé le but. Et donc, des erreurs techniques et tactiques qu'il va falloir corriger avant dimanche prochain, date à laquelle, bien sûr, le Bénin affrontera l'équipe locale du Ghana à Cape Coast pour la manche aller de ces éliminatoires du CHAN 2023. Alors, les écureuils locaux seront donc en déplacement sur le Ghana. Oui, justement. Mmh. Et puis, avant de recevoir, juste une semaine après, l'équipe ghanéienne ici, du côté du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kédékou de Cotonou pour la manche retour. Alors, c'est vrai que vous avez parlé d'un but que vous avez qualifié de petit, mais bon, je trouve qu'un but, c'est un but, puisqu'on a perdu la rencontre. Mais la performance des écureuils, vous l'avez suivi, c'était comment? Oui, justement, ce qu'on disait, c'est dans l'ensemble, je crois, hier, Moussa a essayé de travailler sur quelque chose. Il a d'abord fait jouer l'équipe B qui n'a pas du tout assuré. Certes, l'équipe avait l'impression d'avoir le match en main déjà dans les 20 premières minutes, mais à la 24e minute, l'équipe encaisse un but contre le coup de jeu et c'est une très belle action congolaise. Et quand vous voyez juste après cette action, juste après le but, les Congolais ont repris le match en main et toutes les actions, c'était comme c'était peaufiné déjà à l'entraînement. Et voilà, c'est réalisé très facilement au cours de la rencontre. Lors de la deuxième mi-temps, Moussa Latundia a essayé donc de faire des changements. 7 joueurs sont rentrés de 7 titulaires pour essayer de changer la physionomie de la rencontre. Ce qui est fait, mais difficile de trouver le fond des filets. Vous vous rappelez bien sûr Bénin Mozambique ici. Ah oui. On a joué, mais on n'a pas trouvé le chemin des filets. Donc, il va falloir encore revoir ce qu'il faut, voilà, beaucoup de choses afin de pouvoir permettre aux écureuils de passer ce premier tour des éliminatoires du CHAN prochain. D'accord. Monsieur Zéphirin Nkanou, vous suivez de près ce qui se passe au niveau de, du football. Oui, je suis un grand sportif. Je suis toutes les disciplines d'ailleurs. Est-ce que le Bénin peut s'en sortir à force de continuer dans ces échecs qui sont répétés? Non, au football, bon, on ne peut pas baisser les armes à cause des échecs. Je pense qu'il y a toujours des surprises et qu'avec le travail, ça va payer. Il faudra alors travailler et continuer de travailler. Allez, on continue avec vous. Oui, on continue toujours avec le football. Aujourd'hui, va donc démarrer les quarts de finale de l'Euro 2022, l'Euro féminin 2022. Et donc, le premier quart, c'est bien sûr la rencontre entre Angleterre et Espagne. Cette rencontre sera donc le tout premier quart de finale de cette édition de l'Euro féminin 2022. Christian, on parle handball, on change de discipline très rapidement. Mmh. On avait parlé du clapin de fin d'hier de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin qui s'est déroulée donc du côté du Caire en Égypte. On a retenu 5 nations africaines qui sont qualifiées pour le prochain mondial qui aura lieu du côté de la Pologne simultanément avec la Suède pour cette édition 2023 du mondial. Et donc, on connaît déjà le groupe de ces équipes, ces représentants africains. Donc, dans le groupe C, évoluera le Cap-Vert aux côtés du Suède, du Brésil et de l'Uruguay. Dans le groupe E, on aura l'Allemagne, le Qatar, la Serbie et l'équipe de handball algérienne. Dans le groupe G, l'Égypte et le Maroc seront ensemble avec la Croatie, les États-Unis et l'USA, bien sûr. Et puis dans le groupe H, la Tunisie sera donc évoluera avec le Danemark, la Belgique et puis le Bahreïn. Christian, voilà pour ce qui concerne le handball masculin et donc le mondial prochain. On souhaite vivement que nos équipes vont essayer puisque on sait déjà que lors de cette CAN, le niveau s'est un peu amélioré, sinon beaucoup amélioré. Et donc on espère qu'avec ces performances, ils pourront s'en sortir facilement du côté de la Suède pour le prochain mondial. Alors, les championnats nationaux d'athlétisme, on en parle à présent avec notre invité Ali. Oui, Zéphirin Nkanou, tu étais un directeur technique national de la Fédération béninoise d'athlétisme et notre invité de ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, comme le disait Christian tout à l'heure, on va faire le point des championnats nationaux d'athlétisme qui sont déroulés au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kédékou de Cotonou du 8 au 10 juillet dernier. Alors, vous avez organisé ce championnat. Alors, pour cette édition, vous avez apporté assez d'innovations pour améliorer le niveau de la compétition. Dites-nous, une semaine après donc, l'événement, vous avez eu le temps de faire un peu le bilan. Alors, que peut-on retenir? Merci, monsieur le journaliste. Je veux d'abord dire un bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3 qui nous suivent et qui aiment beaucoup l'athlétisme. Et je pense que c'est la mère de toutes les disciplines, comme on dit, l'athlétisme. L'esprit de tous.
Oui, c'est vrai, nous avons organisé les championnats nationaux ici à Cotonou. Je te dis, cette année, les championnats nationaux se sont déroulés sur une piste nouvellement refaite, le stade de l'amitié de Kourounou. Donc, c'est une piste rapide parce que le tartan est sec encore et est dur. La Fédération béninoise d'athlétisme a fait ce choix et pour donner l'opportunité à nos athlètes et de faire de bonnes performances. Là, c'est un premier choix parce que nous avons laissé le stade de Porte-Nouveau pour venir à Cotonou qui nous accueillait avant. Donc, deuxième chose, il y a eu une forte participation d'athlètes. Et nous avons eu des pays invités. Il y a eu le Nigeria, le Togo, le Burkina qui sont venus ici pour nous aider, mais pour hausser le niveau de la compétition. Lorsque vous faites l'athlétisme et que vous n'avez pas de bons concurrents, vous ne faites pas la performance. Je pense que le Nigeria, le Togo et le Burkina, ils ont envoyé leurs meilleurs athlètes et ça nous a beaucoup aidés. Et la dernière fois, le mois passé, nous aussi, nous étions au Nigeria pour aider les Nigériens à réaliser les minima pour aller au championnat du monde. Et nous l'avons fait. Et c'est nous qui avons aidé l'équipe de relais 4x100 du Nigeria à réaliser le minima. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis pour les mondiaux d'athlétisme. Ils sont venus aussi ici et pour nous aider. Ce n'est pas une confrontation où nous allons dire ils sont en tête et nous occupons la deuxième place et nous avons perdu. Je pense que c'est ça. Maintenant, troisième chose, la Fédération béninoise d'athlétisme a pris toutes les mesures pour que le chronométrage soit électronique. Donc, la première journée, la pluie nous a beaucoup aidé. Et nous a beaucoup gêné, mais la deuxième journée, tout s'est bien passé. La deuxième journée, je pense que tout est rentré dans l'ordre et nous avons eu l'état électronique. Je pense que ça aussi, c'est un progrès obtenu par et réalisé par la Fédération béninoise d'athlétisme. Est-ce qu'on peut déjà dire avec ce qui s'est passé lors des championnats que les objectifs sont atteints? Oui, ça là, c'est par rapport aux performances. Aux performances, nous, entraîneurs, parce que je suis le directeur technique national, oui, justement, je pense que nous sommes satisfaits. D'ailleurs, nous avons organisé, dans le cadre des championnats, un colloque pour tous les entraîneurs. Et ça, je voudrais vous en parler tout à l'heure. Mais je reviens aux performances des athlètes. Et avec le bilan que nous avons fait après la compétition, nous avons remarqué que tous nos athlètes ont amélioré leur performance. Et je peux catégoriser les athlètes et les mettre dans trois catégories. Oui. Et je vais parler d'abord des élites. Oui. Et nos athlètes qui étaient à l'île Maurice, par exemple. Oui, ceux-là, ils ont tous amélioré. Après, je parlerai des catégories inférieures, les U20, les U18 et les U16. Vous savez, la Fédération béninoise d'athlétisme a un projet que nous avons appelé Peugeot DOA, et nous avons récupéré des athlètes dans certaines zones géographiques du Bénin, et les zones où l'athlétisme n'était pas développé, et toute cette saison, ces enfants ont été préparés. Et donc, nous les avons suivis, et nous étions satisfaits après ces championnats. Et je vais vous parler de quelques athlètes tout à l'heure. Maintenant, nos athlètes qui étaient à l'île Maurice, je parlerai de Kiki Didier, que tout le monde connaît, oui. Notre sprinter, le meilleur sprinter du Bénin que nous avons actuellement. C'est vrai. Sa meilleure performance est de 10,65. Il a réalisé lors des championnats 10,41. Et il est très proche du record national actuellement. Je pense que c'est les conditions dans lesquelles la Fédération béninoise nous a mises. Je pense que c'est des conditions qui nous ont motivés à réaliser cette performance. C'est pourquoi je dis que nous sommes vraiment satisfaits de l'organisation et de ce que nous avons eu comme résultat. Et quelles sont les révélations que vous avez connues cette année parmi les athlètes, surtout les nouveaux que vous avez formés dans des régions où l'athlétisme ne se pratiquait pas? Ah oui. Là, par rapport à notre projet DOA, les catégories U18 et U20, qui étaient à Keikos au Ghana la dernière fois, ils ont remporté beaucoup de médailles. Je parlerai de Aï Godness. Et une petite fille qui n'a même pas encore 16 ans, elle est dans sa 16e année et elle a fait une performance de 12,7 sur les 100 mètres. L'année dernière, lors des championnats, elle était
à 13-2. Vous voyez la marge de progression. Nous avons Savi Chan du Mono. Elle fait l'heptathlon parce que nous sommes en train de former des athlètes à la base pour cette épreuve d'heptathlon. Vous savez que nous avons une grande athlète au Bénin, et Odile Arouanou, qui fait l'heptathlon. Odile ne peut pas terminer l'athlétisme, prendre sa retraite, et nous n'aurons plus d'athlètes dans sur cette épreuve. Donc nous avons commencé par préparer les athlètes. Et nous avons dans l'Atlantique ici un sprinter, le meilleur sprinter de l'Atlantique, qui est Kounou Jérôme. C'est un élève, c'est cette année que nous l'avons détecté. Il a fait une performance de 11 secondes et c'est pas mauvais parce qu'il s'est classé dans l'équipe de relais du Bénin. En dehors de cela, nous avons comme athlète et dans les concours, nous avons eu une athlète qui lance le disque. C'est Tchédé Brigitte, elle est de l'OEB. L'année passée, au championnat, elle a fait 33 mètres. Et elle est allée en compétition au Nigeria, elle a fait 39,50 m. Et elle a fait à Cotonou 42,48 m. Elle est à 14 cm du record national qui a été réalisé depuis 2004. Donc, c'est des athlètes qui sont en progression. Quand nous suivons tous ces athlètes, je pense que, à la direction technique nationale, nous sommes satisfaits du travail de nos entraîneurs avec qui nous avons fait le colloque. Parce que nous avons passé certaines informations. Et c'est ce que nous avons fait. On a parlé assez technique, maintenant on va parler un peu administratif. Alors quels sont les projets à venir de la Fédération béninoise d'athlétisme, puisqu'on sait que si on considère bien sûr le championnat comme je dirais, le plus grand événement de la Fédération cette saison. Oui, je parlerai d'abord de la préparation, parce que nous n'avons pas fini la saison. Oui. Et la préparation, et nous avons un quatrième camp. Parce que nous avons fait cette année 3 camps DOA et nous avons un 4e camp pour les athlètes U18 et U20 que nous allons organiser. Et ces athlètes seront suivis. Mais ce 4e camp, nous n'allons pas nous occuper des zones que nous avons dit, zones un peu déshéritées qui n'étaient pas au bon niveau de l'athlétisme. Nous allons prendre dans tous les départements. Et ça, c'est sur la demande de tous les présidents de ligue. Parce que lorsque nous avons fait le premier choix et nous avons fait la préparation, les départements qui étaient derrière sont montés et ont pratiquement dépassé les autres départements que nous n'avons pas choisi. Donc maintenant, nous voulons donner la chance à tous les départements. Donc nous allons faire un quatrième camp. Et en plus de ça, il y a le programme féminin du développement de l'athlétisme organisé par l'ambassade de France, qui continue. Et nous aurons un camp rien que pour les filles. Et ce camp sera un camp de renforcement de capacité aussi pour les coachs que nous allons former. Il y a une deuxième session de formation. Nous sommes en train de faire actuellement des sessions de formation pour les coachs, pour avoir le niveau 1. Il y a World Athletics. Et la deuxième formation va commencer le 24. Et tous ces coachs-là, nous allons choisir dedans pour suivre ces filles, ces athlètes filles, lors du camp pour les filles. Et il y aura une compétition uniquement pour les filles. Ça, c'est dans le programme de développement de l'athlétisme féminin. Ça, c'est la phase de préparation des athlètes. Maintenant, nous aurons des compétitions. Il y a les intercommunaux, les compétitions de région. Oui, il y aura pour le sud, l'OME et l'Atlantique qui seront ensemble. Le Zou, le Mono et le Koufo qui seront ensemble et le Nord ensemble. Après ça, nous aurons les intercommunaux, la phase nationale, donc les athlètes qui seront sélectionnés. Nous allons faire la phase nationale pour ces compétitions. Donc nous avons encore cette grande compétition qui aura lieu en début septembre. Maintenant, nous avons toujours pour nos athlètes élites le Togo qui nous invite pour son championnat. Ils n'ont pas encore fait leurs championnats nationaux. Nous aurons quelques athlètes qui vont y participer. Donc, nous n'avons pas encore fini la saison. Nos athlètes continuent par se préparer. Et en plus de ça, la fédération, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé de la préparation, j'ai parlé des compétitions. Je pense que... dans l'ensemble, c'est ce qui est prévu pour cette saison 2022. Alors, merci beaucoup, Zéphirin Hunkanou. Je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération béninoise d'athlétisme. Merci d'avoir accepté notre invitation, Christian. Merci.
Merci à vous, merci. Ali Momouli. Très bonne journée, monsieur Zéphirin Ronkelou, Ali, vous également. Hein. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous demain. Allez, la suite d'Actu Matin. Dans la deuxième heure, nous allons recevoir Maître Alexandrine Saizonou Bédier. Je rappelle qu'elle est avocate au barreau du Bénin. Avec elle, il sera question de la protection sociale du mineur, ce que prévoit le code de l'enfant en vigueur en République du Bénin. Elle sera reçue par Herman Parfait. Alien Bossoué, justement, Herman sera en plateau dans une poignée de secondes, accompagné de Wahab Ali Kbara et de notre invité du jour, Awali Mohamed Akintola. Il est coordonnateur du mouvement national des jeunes Force Coury pour un Bénin émergent. L'actualité politique, l'actualité, c'est bien évidemment les législatives de 2023, une projection sur la présidentielle de 2026. Restez avec nous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion, se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Retour plateau pour le débat, les discussions, c'est le forum sur Actu Matin. Merci de votre fidélité pendant qu'il sonne 7h51. Je vous dis bonjour, Herman Aliemoussou. Oui, bonjour Christian Dorigio. Bienvenue. Merci. Nous avons notre invité Awali Mohamed Akintola. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, coordonnateur du mouvement national des jeunes Force Coury pour un Bénin émergent. Merci de répondre présent à notre invitation. Wahab Ali Kbara, re-bienvenue. Oui. Bon, bonjour Christian. Bienvenue. Allez, on continue d'élaborer autour des questions électorales. Pour le moment, nous donnons la parole aux acteurs politiques de tous les camps politiques, ces acteurs politiques qui manifestent véritablement le désir de participer aux prochaines élections législatives. Eh bien, ce matin, on va du côté de la Force Coury pour un Bénin émergent pour voir ce qui s'y passe à pratiquement 6 mois du scrutin du 8 janvier 2023. C'était le 19 mars 2022 à Parakou. Mohamed Awali, que vous avez mobilisé, je dirais, la jeunesse FCBE dans un ensemble que vous avez voulu compact, un ensemble que vous avez appelé Mouvement National des Jeunes Force Coury pour un Bénin émergent. Vous vous positionnez pour les législatives de 2023 et vous voyez également plus loin pour la présidentielle de 2026. Est-ce que cette ambition, cette envie est toujours d'actualité? Merci monsieur le journaliste, bonjour chers amis. Bien bonjour. Sûr, c'est toujours d'actualité. Mmh. C'est d'ailleurs même la raison d'existence d'un parti politique. Mmh. Tant que notre parti politique existera, ce sera toujours le cap sur les élections, mmh. la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Mmh. Et le Mouvement National de la Jeunesse, FCBE, dont je suis à la tête,
est plus que jamais prêt à faire vivre le parti et à donner la chance aux Béninois que nous représentons d'avoir voix au pupitre. Alors, tout calcul fait, 19 mars 2022 à juillet, 20 juillet 2022, ça fait pratiquement 5 mois hein, que c'est vous avez lancé ce mouvement. Est-ce que ça vit toujours? Bien sûr que oui, ça vit toujours. Ça vit plus que jamais. Mmh. Déjà que le mouvement national de la jeunesse FCB n'avait jamais existé auparavant, avant ce 19 mars-là. Les tests l'ont prévu. Il faut déjà habituer les gens, que ce soit de l'intérieur du parti que de l'extérieur du parti, à l'existence de ce mouvement-là. Vous savez un peu comment ça se passe en matière de gestion et surtout dans un domaine d'intérêt. Donc nous avons fait ce travail-là, habituer les militants à notre présence. Puis ensuite, nous avons participé de façon très active à la campagne sur le Havit. Parce que tant que vous n'êtes pas enrôlé, tant que vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez pas droit de vote. Donc nous avons fait ce travail-là très activement aux côtés des coordinations verticales de notre parti. Nous avons accueilli aussi beaucoup de membres, que ce soit de façon individuelle ou corporative, au sein. Parce que qu'un mouvement national de la jeunesse FCB existe aujourd'hui, ça redonne aussi espoir à beaucoup de jeunes. Ils ont donc un terrain d'expression de leurs désirs, mais également de leurs idées. Mm-hmm. Nous en avons accueilli beaucoup de part et d'autre. Et là, nous sommes en train de démarrer l'installation des bureaux déconcentrés du mouvement. C'est ça. Donc, dans les circonscriptions électorales, dans les communes, dans les arrondissements, dans les quartiers de ville et dans les villages. Un exercice que nous ferons certainement pour le reste du mois de juillet, tout le mois d'août. Pour enfin dire que nous sommes de façon pratique sur le terrain et avec nos militants prêts pour les élections. Justement, à vous entendre avec ce petit bilan que vous venez de nous présenter, c'est-à-dire donc que ça s'active beaucoup et ça bouge également beaucoup, même si à la face du monde, vous ne démontrez pas ce que vous faites. C'est peut-être en cachette. Allez, Wahab Ali Bara, oui, de ce parcours hein, de 5 mois avec les militants Force Corée pour un Bénin émergent et puis les militants sympathisants du mouvement national des jeunes Force Corée pour un Bénin émergent, c'est-à-dire que le terrain politique, qu'on le veuille ou pas, est quand même occupé. Oui, le terrain politique est occupé et ce que nous ignorons, c'est ça que vient de nous décliner Akintola, parce que sur le terrain, il y a quelque chose qui se fait. Mmh. C'est vrai qu'il n'y a pas les tambours et tout, je dirais, l'accompagnement qu'il faut au niveau des médias conventionnels. Les réseaux sociaux en parlent un peu, nous en montrent des images et des tests par moment. Bon, mais après tout, médias conventionnels et traditionnels restent médias traditionnels. Ça, il faut dire les choses ainsi. Mais de toutes les façons, on note que sur le terrain politique, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Surtout ce mouvement qui est créé, on parle de 5 mois d'existence. Donc, je dirais que c'est la naissance nouvelle de ce mouvement-là, occupé par un jeune, puisque aujourd'hui, vous savez, il faut éprouver les jeunes. Il faut que les jeunes puissent montrer de quoi ils sont capables. Et je pense que c'est ça qui est en train d'être fait sur le terrain, en tout cas dans la jeunesse du parti Force Corée pour un Bénin émergent. On sent de mouvements, on sent des actions qui se posent de part et d'autre, puisque en ligne de mire, il y a les élections législatives de 2023. Visiblement, on note que personne ne veut se faire compter l'événement, surtout ces jeunes qui sentent qu'il faut vraiment bousculer les aînés pour avoir la place. Il faut déployer d'énergie pour avoir la place. Et par conséquent, il faut qu'on soit davantage actif sur le terrain. Maintenant, comment on fait le croisement avec les réalités du terrain, puisque on dit le terrain est occupé, on n'est pas seul à l'occuper. Hein. Il y a beaucoup d'autres formations politiques. Moi, je voudrais savoir avec Akintola comment cela se fait, les croisements avec les autres formations politiques qui, eux aussi, ont des jeunes. Quels jeunes qui veulent occuper, puisque vous avez développé dans votre première prise de parole qu'à la naissance d'une formation politique, n'est-ce pas, bien entendu, son essence, c'est de, comment dire, d'occuper le terrain, c'est d'exister, c'est d'exercer le pouvoir, de prendre le pouvoir et de l'exercer. Comment cela se fait puisque tout le monde a les mêmes envies, si je peux me permettre. Merci pour vos paraphraser. On dirait que nous sommes en train tous de courtiser la même jeune fille. Le peuple, c'est normal. Donc, la concurrence, elle est là. Elle est très intéressante d'ailleurs. C'est ça même le jeu.
Et n'existait-elle pas que le jeu serait pas du tout intéressant? Nous l'apprécions et nous tirons chapeau également à nos frères d'en face. Juste que cela ne nous émeut nullement. Mmh. Parce que, font-ils la même chose que vous? Sur le terrain, non. Parce que vous êtes allé sensibiliser les populations pour l'enrôlement au RAVIP. De l'autre côté, est-ce que vous avez rencontré les militants ou les jeunes d'autres formations politiques de votre camp, opposition ou concurrente de l'autre côté, vos adversaires, faire la même chose? Ce qui est intéressant, je ne suis pas en train de livrer une stratégie, mais certains pensent que le terrain est acquis. Nous pensons qu'il faut continuer à labourer. C'est aussi simple que ça pour dire que le terrain a été à beaucoup d'endroits très vite. Beaucoup se disent que les élections de 2019 seront grandement comparables. 2023. Les élections de 2023. Voilà, 2023 seront comparables à celles de 2019. On se donne rendez-vous dans quelques mois. Une chose est sûre, nous ne prenons rien pour acquis. Même si nous avons la certitude au contact des populations que nous n'avons pas à fournir ces efforts-là, le travail, d'ailleurs même je dirais que certains partis de l'opposition et également les partis de la mouvance et les actions du gouvernement font déjà le travail de la campagne pour nous. Mmh. Donc on ne fait que constater et confirmer. Mmh. Herman. Oui, ce qu'il faut saluer tout de suite, c'est cet effort des partis politiques à travailler ou alors à créer une autre race de jeunesse. Quand on dit race de jeunesse, c'est pour montrer que vous avez avec les chamboulements qui interviennent à la tête des partis politiques, on sent que la jeunesse est désormais engagée. Vous avez lu ce matin ce que Fraternité propose dans sa manchette. La jeunesse condamnée à faire ses preuves. Et donc, on a sur le plateau, on a reçu hier un jeune du Bloc républicain. Aujourd'hui, vous recevez un jeune des forces corrompues émergentes ou de la force corrompue émergente, pour être plus précis. Ce qu'il faut également saluer, c'est cette fougue de la jeunesse politique à pouvoir prendre la parole. Parce qu'il y a encore quelques années, si vous les invitez, ils ne viennent pas. Ou alors, c'est des gens qui viennent, qui sont timides sur le plateau. Je salue également cette détermination du coordonnateur national, mouvement national des jeunes, force corrompue émergente, qui est sur le plateau ce matin. Sauf qu'ici, nous avons, comme il a dit, ils ont tous à côté de la même fille. Des jeunes qui n'ont pas forcément conscience du rôle qu'ils doivent jouer en politique. Des jeunes qui sont manipulables à tout bout de champ par des vieux. Si aujourd'hui la jeunesse prend conscience du fait qu'il faut travailler à pouvoir demander aux vieux de pouvoir leur céder le fauteuil, je pense que c'est une bonne chose. Sauf qu'ici, on n'a pas encore une jeunesse totalement acquise. Avec les départs, avec les arrivées. Aujourd'hui, le mercato est à plus de... même à 115%, parce qu'on ne sait plus aujourd'hui qui est vraiment FCBE, Bontain, qui est tant Bontain. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il y a un travail à faire pour être sûr qu'on ne laboure pas sur un terreau déjà occupé par d'autres forces politiques. Je pense que c'est là qu'intervient la question de Wahab Ali Para, à savoir qu'aujourd'hui, quel type de jeune force corrompue émergent présente aujourd'hui. Voilà, c'est la question que je me fais. Je n'aurais jamais apprécié un meilleur moment pour diriger ce mouvement qu'aujourd'hui. Je vous explique. Allez-y. Étais-je à la tête d'un mouvement de la jeunesse, d'un parti comme le Bloc républicain ou l'Union progressiste, qu'il y aurait une sorte de d'ombre? Parce que je serais peut-être en train de courir pour une nomination. Je serais en train de caresser dans le sens du poil tel ou tel pour avoir tel ou tel autre avantage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ma position et de la position des jeunes que je suis en train de diriger. Nous sommes en train de faire une lutte de conviction. Nous ne sommes pas en train d'espérer du jour au lendemain qu'on nous dise, eh bien, viens ici, bon, laisse tomber, et puis on te donne ci, et puis tu t'es... Comme ça se fait d'ailleurs, et comme ça continue de se faire. Aujourd'hui, dire FCBE, bon teint ou mauvais teint, nous ne connaissons même pas cette réalité-là chez nous. Parce que ceux qui sont là sont réellement de vrais combattants, de vrais militants. L'enjeu est très clair. Aujourd'hui, il n'y a que les idées à défendre. Il n'y a qu'une vision à apporter. Il n'y a qu'une manière de voir, de gérer les choses. Et là, le jeu il devient très clair en réalité. On sait qui est qui. Quant au départ et aux arrivées et tout ça, c'est la preuve même, en fait, que les gens n'y sont que pour des intérêts personnels, pour des intérêts immédiats, pour des intérêts matériels, qu'ils ne sont pas là pour mener le combat politique dans un système partisan et avec une réelle idéologie qu'ils sont en train
de défendre. Mm-hmm. C'est en ça que je dis que c'est le meilleur moment, à mon avis, de, lorsque vous faites vos preuves dans ces genres de difficultés-là, vous prouvez réellement ce que vous valez. Et c'est ce que pense toute la jeunesse Force Cori pour un Bénin émergent, derrière moi. Alors, dans les 117 communes du pays, vous êtes éparpillés un peu partout. Il y a la jeunesse FCBE, il y a l'organisation également des femmes Force Cori pour un Bénin émergent. Avec la tête du parti, quelle est la collaboration que vous avez? Vous avez dit tout à l'heure, renouvellement de la classe et ainsi de suite. Je dirais que nous sommes toujours en avance, que ce soit sur les autres partis d'opposition ou les partis de la mouvance. Vous donnez le signal alors? Depuis toujours. Vous êtes d'ailleurs en avance, comment? Expliquez-nous. D'accord. Vous parlez de comment ça se passe avec la tête du parti? Ça risquerait de mal se passer si on n'était pas inscrit dans la même logique. Nous n'avons pas créé spontanément les mouvements nationaux de la jeunesse ou de la femme. Ce sont les aînés du parti, ce sont les dirigeants du parti qui ont trouvé indispensable de nous obliger à mettre la main à la pâte, à faire nos preuves. Et donc, le chemin, il est tout tracé. Nous avons besoin de vous, vous avez des compétences, nous sommes limités à tel et tel endroit, mais nous pouvons vous apporter tel et tel comme orientation, et vous remuez le terrain, on va voir ce que vous valez. C'est un challenge, c'est un défi pour nous que nous sommes en train de relever. Et puis, ça ne pouvait pas se passer autrement. La tête de notre parti, elle-même est jeune. Ah oui. Donc, on ne peut que voir dans la même direction. À quand on monte, avant de vous donner la parole, la dernière rencontre entre le coordonnateur du mouvement national des jeunes FCBE et le secrétaire exécutif national. La dernière rencontre. Hier seulement. Avant votre arrivée en plateau. Vous étiez en commission hier au siège du parti. Hier nuit encore, j'ai dû l'appeler parce que je ne me retrouvais pas très bien dans un débat qu'on a eu plus tôt par rapport aux législatives. J'ai voulu clarifier un peu sa position par rapport à la mienne. 5 minutes de conversation au téléphone encore hier nuit. C'est-à-dire donc que ça se passe bien. Très bien. Magnifique, oui. Ah oui, quand tout va bien, sinon très bien, entre les jeunes, les aînés, n'est-ce pas, c'est un bon parfum à la limite. Ce que moi je voudrais souligner, Christian Dandéjean, oui, n'est-ce pas, c'est le rapport d'abord, ou les rapports qu'il y a entre ces jeunes, parce que c'est une équipe de jeunes, n'est-ce pas, au niveau donc de ce mouvement. La fougue y est, l'énergie y est, et cette énergie débordante, bien entendu, crée parfois des frustrations, des cassus, je dirais même des endroits brisés. Et bien entendu, je voudrais savoir comment le coordonnateur, tout fraîchement à la tête de ce mouvement, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle. Vous, c'est le début, c'est un peu comme si vous n'avez pas eu, je dirais, en tout cas c'est vous la racine, c'est vous qui démarrez. Comment vous arrivez à gérer, à coordonner ce mouvement que vous dirigez avec les autres jeunes, puisque sans doute il y a, je dirais, les ambitions, hein, les envies, les frustrations, bien entendu. Comment cela se gère? J'avoue que c'est pas hyper facile. C'est pas hyper facile parce que gérer les hommes, c'est très compliqué. Il y a déjà ça, encore que nous ne sommes pas à l'église ou à la mosquée. On dit que nous sommes en train de tout faire pour Dieu et qu'on espère une récompense dans l'au-delà. Nous sommes sur un terrain d'intérêt, que ce soit dans le court terme ou le long terme. Des gens, moi y compris, nous ambitionnons, nous désirons des choses. Il est très difficile de gérer cette fougue-là, de la contenir, comme vous le dites. Mais je peux être heureux d'avoir une équipe très dynamique autour de moi. Une équipe qui connaît ce qu'on appelle le sens du sacrifice. Qu'il y ait les moyens ou qu'il n'y ait pas les moyens, je sais comment ils mouillent le maillot de jour comme de nuit. J'ai une équipe de 24 personnes en plus de moi. Nous sommes 25 dans le bureau, dans la coordination nationale du MNJ. Et tous de bons soldats. C'est déjà important pour moi, et des têtes très bien faites, avec beaucoup d'énergie à revendre. Et puis, la majorité des membres de ce bureau-là viennent des mouvements estudiantins, des mouvements, des associations de jeunes et tout ça. Donc, ils ont déjà fait l'exercice. Nous sommes en train que d'implémenter ce que nous avons toujours fait depuis les bancs du secondaire ou à l'université ou dans la vie active. C'est ce que nous sommes en train d'implémenter au niveau du MNJ. Et ça, déjà, c'est un atout, c'est une facilité. Pour moi, après ça, il y a toujours les petites accommodations. Et puis, un leader ou un responsable doit savoir trouver
comment séduire chaque élément de son équipe afin de créer le plus de cohésion possible pour avoir moins de problèmes à gérer. Je m'y plais bien quand même. D'accord. Maintenant, les rapports avec les aînés, vous, ça se communique bien avec, je dirais, le secrétaire exécutif national. Est-ce que vous êtes toujours, quand je dis toujours, pas vous en tant qu'Akintola, mais tout le mouvement, est-ce que vous êtes toujours au même diapason avec, je dirais, l'ensemble du parti? Est-ce qu'on ne sent pas que ça devient, je dirais, une forme de république dans une autre république? Je vous avoue que parfois, ça arrive. Mais vous savez, lorsque vous connaissez le panégyrique planique de quelqu'un, il est très difficile de l'offenser au point qu'il ne vous pardonne. Il faut savoir comment approcher. Nous avons eu cette période-là dans les premiers mois où il fallait, excusez-moi le terme, analyser chaque interlocuteur que nous avions, chaque élément du circuit pour savoir comment l'approcher, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est d'ailleurs ce que nous sommes appelés à faire dans ce milieu-là. Donc, ça nous a quand même permis de désamorcer très tôt. Parce que, vous savez, c'est, la concurrence, ça saute à l'œil déjà. Certains se disent, ces jeunes-là, ils sont venus et puis ils sont agités ou ils sont trop pressés. C'est normal, c'est ça la jeunesse. Si nous étions amorphes, c'est ça, il faut. Et puis parfois, c'est plaisant. C'est lorsqu'ils le disent que vous comprenez que vous êtes en train de bien faire. Maintenant, bon, nous avons... Et à l'intérieur, beaucoup de diplomates qui arrivent à juguler cela. Et puis, on trouve l'équilibre. Donc, on a passé cette phase-là déjà. Ça va encore venir, c'est clair. Ça va encore venir, mais on arrive à gérer quand même. Il n'y a pas péril dans la demeure, pas du tout. C'est tout ce qui est de plus normal lorsqu'il y a ces genres d'interactions-là. Alors, on a bien dit que c'est l'heure des grands rassemblements, puisque au niveau des formations politiques, on a vu quand même que les lignes sont en train de bouger. Et la Commission électorale nationale autonome, il y a cela quelques jours, a publié la liste des pièces constitutives du dossier de candidature. Une fois cette liste publiée, à votre niveau, quelle fut certainement, il doit avoir une réaction. Quelle fut la réaction? Est-ce que ça a sonné une certaine mobilisation pour préparer les dossiers de candidature? Peut-être une certaine agitation aussi. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que nous avons déjà participé à deux élections. Oui. Les présidentielles et puis les communales. Donc, on connaît cet exercice-là. Encore que la note de la Sénat n'a fait qu'une reprise, en fait, de ce qui se trouvait dans le code électoral. Et le viatique de tout individu qui s'aventure en politique, c'est d'abord ça, le code électoral, la constitution du pays, les lois en vigueur en tout ce qui concerne quand même l'animation de la vie politique. Donc la Sénat n'a fait qu'un rappel. Pour ceux qui dormaient, ce n'était pas notre cas. On était déjà prêts. Et si vous me dites que les élections législatives, c'est pour demain, les FCBE sont prêts. D'accord. Oui, Herman. Oui, le schéma décrit par notre invité ce matin, c'est un schéma qui montre une jeunesse FCBE très, très engagée, une jeunesse FCBE qui se regroupe et qui est consciente des enjeux. En même temps, quand on lit ce schéma-là un peu à la stratégie utilisée par le leader du parti politique, on se demande bien si on n'envoie plutôt pas les jeunes au charbon et que soi-même on est là à se délecter. Ou alors on en voit, puisque les femmes, on en parle peu, voilà, il n'y a que les jeunes qui aujourd'hui prennent le devant des choses. On a assisté un temps à une adhésion de certains, des militants de certaines églises et tout, mais tout s'arrête là. C'est à croire que quand on analyse un peu la situation, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens qu'il faut, puisque quand vous lisez un peu les tests, le rappel de la Sénat, ce sont 3 500 000 francs qu'il faut qu'un parti doit débourser pour les élections qui arrivent. Et quand on dit débourser, c'est nos prises en compte, les frais de campagne, comment dit-on, j'imagine comment l'invité de ce matin, le coordinateur national, j'imagine comment il parvient à regrouper ces jeunes-là. Est-ce que c'est le parti qui l'aide? Est-ce que c'est sur fonds propres? Est-ce que c'est son engagement personnel qui lui permet de regrouper les jeunes? Je pense que c'est beaucoup de questions aujourd'hui, beaucoup d'interrogations sur lesquelles je voudrais quand même qu'il nous ouvre son cœur et qu'il nous dise ce qui se passe, parce qu'on a l'impression à la fois que oui,
des partis politiques disent nous sommes prêts à aller aux élections, il a dit tout à l'heure, c'est demain, ils y vont. Encore que les positionnements sur ces listes-là ne seront pas comme ça l'a été. Désormais, je crois que vu les enjeux, il va falloir voir qui sont les potentiels candidats et arbitrer. Sinon, vous allez choisir des gens qui, à la fin, n'auront même pas la voix de leur épouse. Si entre-temps, ils en avaient une ou deux. Oui. Voilà. Oui, on parle de législative. Hein. Oui, allez-y. Oui, bon, le parti a une vue d'ensemble, en fait, sur ses militants et sur ses démembrements à la base. Ça fait déjà un. La question de mobiliser 163 millions, ça ne nous aimait pas du tout, puisque je l'ai répété tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que nous participons à cela. Cette question, je pense que la question, il faudrait mieux la réserver pour les nouveaux partis, les petits partis politiques. Ils ont peut-être des soucis à mobiliser ces sous. C'est pas notre cas. Nous avons déjà plusieurs fois fait cet exercice-là. Vous faites quoi ? Vous faites des cotisations ou bien vous avez le regard tourné vers le financement public dont bénéficie votre formation politique ou bien vous faites des appels de fonds. Quelle est la stratégie que vous adoptez pour ces législatives alors ? Déjà qu'un parti politique a ses ressources propres. Oui. Nous avons les cotisations internes du parti et pas plus tard que il y a 5 jours, je crois bien, la trésorerie du parti a encore relancé à travers un courrier les militants à la base pour leur rappeler, pour ceux qui n'étaient pas encore à jour leur cotisation, ça fait déjà un. Nous avons beaucoup de sympathisants et comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout ce que vous avez cité comme apport financier concourt au travail que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes en train de faire, nous voyons cela comme un sacerdoce aussi. Nous voyons cela comme un engagement vis-à-vis de notre peuple, donc nous y travaillons et avec tout ce que nous avons d'intellect et avec nos moyens matériels et avec nos moyens financiers. Nous n'attendons pas forcément quand les moyens sont là, nous travaillons, quand les moyens ne sont pas là, nous travaillons. Donc chaque élément, chaque responsable de notre parti politique s'investit à fond dans le travail qu'il fait avec tout ce qu'il a comme moyen, ça c'est déjà une chose. Les financements publics, bien sûr, c'est du droit en fait de notre parti politique et le chef de file de l'opposition est le premier responsable de notre parti politique. Bon, je n'entrerai pas dans les détails de la disponibilité de ces financements jusqu'à présent ou pas. Vous êtes des journalistes investigateurs, vous savez où trouver l'information, vous savez quoi en faire, mais de toutes les manières, que cela vienne ou pas, que quand le moment sera là, vous ne nous verrez pas bégayer, vous ne nous verrez pas tituber, vous ne nous verrez pas hésiter. Je pense que sur cette question-là, je vais rebondir rapidement. Le secrétaire exécutif national de Force Groupe Mobile Émergent gagnerait à nous dire ce qui se passe. Parce que, par exemple, les tests sont prévus que quand un parti a obtenu 10% après les élections, qu'il obtienne remboursement de ce qu'il a pu payer. Est-ce que les remboursements ont déjà eu lieu jusqu'à présent? Il faut aussi avouer qu'avec la réforme des partisans, on a le financement public des partis politiques qui aujourd'hui permet à 3 formations politiques, hein, y compris la vôtre, la formation politique, donc le FCBE, de pouvoir bénéficier du financement public. Est-ce que à cette date, les financements sont déjà là? Quel effort faites-vous? Parce que je ne pense pas qu'un parti politique à cette date puisse fonctionner seulement sur ses cotisations. Encore que sur ses cotisations, les tests ont été clairs. Quel genre de cotisation peut-on avoir et tout. Ce n'est plus comme avant où bon, un philanthrope peut se lever et dire bon, écoute, je mets à votre disposition plusieurs milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il faut pouvoir justifier tout ce qui vient au sein du parti. Je pense que c'est beaucoup d'éléments à la fois qui aujourd'hui obligent le leader. Et on se demande même si sur la querelle de chef de file de l'opposition, on ne s'attarde pas trop. Et donc, qui fait que désormais FCBE a de la peine, a toutes les peines du monde pour sortir et exprimer ou alors affirmer son statut de chef de l'opposition. C'est-à-dire qu'on reste là, on ne dit rien, on se tait, on est dans les conciliabules alors que nous sommes à moins de 6 mois des législatives. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Il ne faudrait pas qu'on attende les derniers jours pour nous dire après, écoutez, on a des couacs, on a des soucis, on ne va pas aux élections. Est-ce que vous ne craignez pas ça, vous aussi? Non, nous ne craignons pas ça. Et de plus, je dirais que FCBE ne se tait pas. Vous savez, l'élégance de ce poste de chef de file de l'opposition ne permet pas les sorties tous azimuts, je vous en prie. C'est-à-dire, la cour du chien est différente de la cour des lions. Donc, que le chef de file de l'opposition rebondisse chaque fois lorsqu'il a une petite information, encore qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'actualité politique du pays qui ne sont pas des événements, je suis désolé de le dire. Nous avions pris le taureau par les cornes très tôt pour beaucoup de choses, la cherté de la vie, la question du djihadisme dans le nord du pays et ainsi de suite. C'est pas nouveau.
Et puis, si certaines formations politiques surfent sur la misère ou sur les difficultés de leur population pour faire du buzz, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous préférons faire du concret, nous préférons travailler. Quant à la question de la mise à disposition des, comment on appelle, des fonds de financement pour les partis politiques et autres, je vais, sous réserve, me permettre de dire ce qui suit. Vous savez, chacun connaît son travail. Les lois en question, nous ne les avons pas votées. Mais nous nous y conformons. Parce que nous sommes dans une république qui se respecte et la loi, elle s'applique à tous. Vous voyez ? Et ce n'est pas en venant, par exemple, sur un plateau de télévision. C'est vrai, je reconnais et je concède à la presse son pouvoir de lobbying, son influence dans ce genre de choses-là. Mais nous sommes face à un gouvernement à qui cela ne dit rien du tout. Vous voyez, donc on préfère ne pas gaspiller notre énergie et notre salive à venir crier sur les plateaux. Le gouvernement n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Je prends l'exemple, par exemple, de la désignation du chef de file de l'opposition. Ce décret a finalement été pris quand, lorsque le gouvernement en place a eu besoin que l'opposition nomme un représentant à la Sénat. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Sinon que c'est là, et puis bon, c'est à croire qu'on préfère... techniquement parlant, les asphyxier, les fatiguer pour que la concurrence n'existe pas, ce qui nous fait rire. Oui, parce que heureusement que tout l'oxygène qu'il nous faut pour respirer n'est pas détenu par un clan ou par une seule personne. Donc, nous allons surprendre, ça nous en sommes certains, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et nous ferons également ce que nous avons à faire. Oui, non, sur ce détail de Herman, il y a vraiment de la pertinence. Comment le parti FCBE se pose, même si, ma foi, comment dire, Akintola n'est pas qualifié pour apporter les détails que souhaite la presse, c'est de savoir comment le parti FCBE se porte quand le parti a droit au financement public. Quand le parti, on sait, quand il après une élection, devrait et qu'il a les 10%, devrait bénéficier, ma foi, d'un retour. Quand on est un parti qui a un chef de file, les avantages liés à ce poste, est-ce que le parti FCBE en bénéficie? Est-ce que le coordonnateur, le secrétaire exécutif national, Paul Hunkpe, bénéficie vraiment de tous ces avantages? En termes d'installation, est-ce qu'il a officiellement été installé? Parce que, bien entendu, on a juste noté que quand il a été question de désigner le représentant de l'opposition au niveau de la Sénat, n'est-ce pas qu'un décret a été pris, mais tous les autres éléments, c'est-à-dire ce que les tests ont prévu, ne serait-ce que le cabinet, les avantages de façon régulière, est-ce que Paul Hunkpe là, finalement, et qu'il y a un silence assourdissant qui est gardé après, pendant que la presse remue les méninges de part et d'autre, il y a une grosse interrogation à ce niveau. Maintenant, dans un pays démocratique, qu'est-ce qui est fait pour que, bien entendu, nos tests, les lois soient véritablement respectées? Il y a également des questions à ce niveau. Maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut dire qu'on ne doit pas dormir sur un terrain politique quand d'un côté ou de l'autre, chacun travaille à anéantir et à mettre son adversaire en position de faiblesse. Il faut se réveiller, faire le travail sur le terrain, le lobbying qu'il faut. Et donc, aujourd'hui, il faut s'interroger. Comment le parti Force Corée pour un Bénin émergent, n'est-ce pas, qui, c'est vrai, a eu l'expérience des élections de 2020 pour les communales, a eu l'expérience de l'élection présidentielle de 2021. Comment le parti se prépare aujourd'hui? Parce que avec la cherté de la vie, est-ce que les cotisations sont vraiment régulières? C'est ça la question de Herman. Un homme, une mission, des moyens. Est-ce que aujourd'hui le parti Force Corée pour un Bénin émergent a les moyens de sa politique? Est-ce que les moyens que la République doit mettre à la disposition de la FCBE pour son travail sont au rendez-vous? Non. Et je sais ce que vous désirez, ainsi que tous vos confrères de la presse. Et très bientôt, vous serez suffisamment satisfait par rapport à cette sortie tant voulue. Il y aura donc une sortie ou une série d'animations de la vie politique. De toucher cela, avec, oui. Il est véritablement attendu. Oui, on vous écoute. Oui. Ne vous impatientez pas, le bon moment viendra. Quant à, vous savez,
Qu'est-ce que vous attendez d'un pays dans lequel ceux qui sont censés contrôler l'action du gouvernement sont eux-mêmes le gouvernement? De parler lorsque vous êtes à la fois juge et arbitre, et comme on appelle les plaignants, c'est vous qui décidez, c'est vous qui exécutez et c'est vous qui suivez, évaluez et contrôlez. Lorsque la voie de recours est elle-même celle qui fait mal, vous ne pouvez pas espérer en fait que les choses se fassent dans les normes. C'est en cela que je dis, tout ce que vous avez cité là et qui est bien dit, voté par un parlement, nous, de la force corrupte.bd émergent, nous n'en avons même pas vu le souffle. Ne parlons même pas de la réalité de tout cela. Mais c'est lorsque c'est dur que les durs avancent. Voilà, et puisque vous êtes durs, vous avancez, et nous avons bien avancé sûr. Alors dans notre entretien, dans notre discussion de ce matin. Ça va s'ouvrir bientôt, hein, le débat autour des positionnements, et on sait que c'est à ce niveau que dans les circonscriptions électorales, il y a bien des remous un peu partout. Je méritais d'être à telle position, à telle autre position, qu'on me met, bien, je ne suis pas content. Il y en a même qui vont claquer la porte, espérant trouver de la place ailleurs, peut-être toujours dans l'opposition avec les démocrates et bien d'autres. Alors dites-nous, est-ce que vous vous préparez à cela déjà au niveau de la FCBE? Les faibles partiront s'ils étaient venus... Vous êtes catégorique. Oui. S'ils étaient venus avec ce genre d'intention-là. Parce qu'un parti politique doit être basé sur une idéologie. Lorsque vous êtes là simplement parce que vous voulez un positionnement pour des élections et que malheureusement pour vous, les militants à la base ou les grands électeurs ou à le bureau politique du parti en dernier recours lorsqu'il y a conflit et qu'il faut arbitrer sur ces questions-là, estiment que pour le bien du parti, il vaut mieux que X soit positionné à telle place sur la liste que Y, vous vous soumettez. C'est aussi simple que cela. Maintenant, si parce que c'est la même erreur qu'ont commis les démocrates et aujourd'hui, ils sont en train de chercher leurs repères et ne les trouvent pas. Je suis vous désolé. Pensez qu'ils ne trouvent pas leurs repères? Bien sûr que oui. Ils se préparent activement pour les élections. Je n'en dis pas. Et ils vont vous challenger dans le camp de l'opposition puisque au lendemain des législatives, c'est sûr et certain qu'il y aura une compétition suivant les tests hein, pour changer la tête du chef de file de l'opposition ou conserver la tête du chef de file de l'opposition. Ça dépendra forcément du score que vous ferez et du nombre de députés que vous aurez à l'Assemblée nationale. Est-ce que les démocrates ne sont pas aujourd'hui dans le camp de l'opposition, votre challenger, le parti challenger? Les aboiements du chien n'ont jamais inquiété le lion. Dites-moi quel est le mot d'ordre, de campagne si vous voulez, ou de propagande des démocrates. Vous savez, ils ont fait une campagne de mobilisation, de remobilisation de la troupe hein, à l'intérieur du pays. C'est sûr et certain que certains de vos militants sont allés les écouter. Est-ce qu'ils vous ont rendu compte de ce qui a été dit? Nous continuons de recevoir des déçus, des trompés, des trahis, des démocrates qui reviennent à la maison. Et nous les accueillons les bras ouverts. Vous savez, ce jeu ne se fait pas sur fond de frustration. Et écoutez, les démocrates sont partis d'où? Nous avons, nous, FCBE, à un moment donné, estimé que pour le bien du peuple, il fallait se conformer aux lois qui ont été votées. Nous ne sommes pas prêts à détruire. Parce que lorsque vous détruisez et que vous finissez par acquérir le pouvoir, vous allez diriger des ruines. C'est l'argent du contribuable. C'est la souffrance de nos parents et des nôtres. Et pour beaucoup, puisqu'on continue de s'endetter au jour le jour, nous sommes en train de créer des trous que nos enfants fermeront un jour alors qu'ils ne sont même pas encore nés. Nous avons donc choisi de faire les choses dans les règles. Le pouvoir, ça s'acquiert par les urnes. Les démocrates en ont décidé autrement. Lorsque vous allez à l'intérieur du pays, vous savez, le seul mot d'ordre que vous faites de mobilisation que les démocrates ont, oh non, les SCBE, c'est un troisième bloc et puis c'est un quatrième bloc et nous sommes les vrais résistants. Lorsque vous voulez, vous êtes une sorte de censure, lorsque vous vivez, vous existez par l'autre, vous risquez de périr. Il faut que votre existence se justifie réellement par une certaine idéologie qui est acceptée dans le milieu politique dans lequel vous êtes. Ok, aujourd'hui, ça nous a porté où? Les morts.
ceux qui sont handicapés à vie, les parents de ceux qui sont emprisonnés. C'est toujours nous, FCBE, qui continuons d'avoir un regard de bienfaisance à leur endroit. On a conduit, on a sacrifié le peuple parce que ce n'était pas eux. On a sacrifié le peuple parce qu'on a ramené tout le Bénin à un conflit Talon Boniaï. Et puis on a déifié la personne d'un seul individu. Vous savez, on ne peut pas sacrifier l'avenir politique de tout un peuple parce qu'on n'est pas satisfait à un moment donné de ce qui est dit. Non, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Et donc, ils sont partis sous fond de frustration. Ils ont auréolé le leader. Aujourd'hui, on voit aussi ce que ça donne. Hein. Ce même leader-là qu'on a suivi et puis dont on a chanté les louanges et auquel on s'est accroché. On voit comment ça se passe depuis quelques jours. Vous êtes mieux informés que moi pour dire que les démocrates, ce sont nos petits-enfants. Ils sont venus des FCBE, ils ont choisi d'aller faire une aventure. Et aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Et ils reviennent à vous? Beaucoup reviennent à la maison, bien sûr que oui. Mohamed, vous avez compris plus tôt. Parce que vous avez trouvé très tôt que le meilleur moyen est de se conformer pour être sur le ring. Vous n'êtes pas sur le ring, il n'y a pas compétition, il n'y a pas match. Oui. Montez d'abord sur le ring, d'accord? Battez-vous, remportez. Et lorsque vous serez maître, si ça ne vous convient pas, vous allez réarranger les cartes. Ils ont refusé, ils se sont opposés, et puis après ils sont revenus faire la même chose. Le code électoral a-t-il changé entre 2019 et le moment où les démocrates se sont conformés? Non. Et puis aujourd'hui, vu aller aux élections, nous avons dit ça plus tôt, ils ont refusé de le faire, ils nous ont traités de troisième bloc, aujourd'hui ils font pire. Nous sommes là et nous observons. Qu'est-ce qui sur le terrain politique vous inquiète à l'heure actuelle pour le compte des élections législatives? Nous sommes beaucoup plus inquiétés pour nos concurrents, les partis de la mouvance et les autres de l'opposition. Nous sommes beaucoup plus inquiétés pour eux. Mais pour nous-mêmes, on n'a pas d'inquiétude. Vous inquiétez pour eux, pourquoi? Nous nous inquiétons pour eux parce que quand nous parlons des partis de la mouvance, leurs propres actions sur le terrain ont prouvé en réalité qu'ils n'étaient pas en mesure de remplir toutes les promesses qu'ils ont faites à la population. Bien au contraire, ils ont leurré la population juste pour avoir le pouvoir. Et là, on voit comment ils sont en train de gérer. Pour une classe, sélectionnée, pour les plus proches du maître et tout ça. Et la base population continue de constater au jour le jour tout ce que vous avez cité, la cherté de la vie, qu'on justifie tout bout de champ par le conflit en Ukraine. Juste pour faire la rigolade. Alors, dire que, bon, les élections à venir, c'est vrai que c'est un concept qu'on chante depuis un bon moment. Oui. Élections inclusives, pas d'élections exclusives, on veut des élections inclusives. Est-ce que vous sentez ça venir à la FCBE? Inclusive, exclusive? Les élections inclusives ou exclusives. Qu'est-ce que vous voyez venir? Nous sommes conformés à tout ce que la République veut de nous, à tout ce que le code électoral veut. Et nous sommes là à voir encore quel tour de magie on sortira du chapeau pour nous empêcher d'aller aux élections. De toutes les manières, nous sommes prêts et nous allons participer à ces élections-là. Et vous serez représenté au Parlement? Bien sûr que oui. Mais on va aux élections pourquoi? Deux élections ne se ressemblent pas. Les communales, oui, vous avez eu plus de 10%. Pour les législatives, est-ce que vous pensez que vous les aurez? Imaginez que nous ayons été un peu secoués avec 2019. Et déjà, en 2020, nous avons eu 10%. Nous avons encore eu le temps de mieux remobiliser la base. Nous avons eu le temps de mieux nous apprêter. Donc, pourquoi vous... Nous ne sommes plus dans la réflexion des 10%. Certains partis politiques y sont. Nous avons dépassé cela depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller conquérir le Parlement. Nous sommes en train d'aller renverser la tendance là-bas. Parce que le peuple, il est fatigué. Il le chante tous les jours dans nos oreilles. Et nous sommes prêts à porter leur voix. Est-ce que vous suivez de près ce qui se passe de l'autre côté de la majorité présidentielle, notamment à l'Union progressiste, les changements de tête? Oui. Est-ce que ça vous inquiète? Pas du tout. Ils sont en train de se mettre au pas. Vous l'avez déjà fait? Depuis longtemps. D'accord. Messieurs, on va dire merci à Awali Mohamed Akintola, coordonnateur du mouvement national des jeunes forces courées pour un Bénin émergent, qui était avec nous en plateau pour nous parler un peu de cette organisation et de la vision projetée sur les législatives de 2023. Merci beaucoup d'être passé par ici. Merci. Merci Wahaba Ali Para. Vous restez avec nous, Hermana Niambosu, droit à l'essai de l'ex, avec Maître Alexandrine Saizonou-Bédier, avocate au barreau du Bénin.
Ouais, au Milan de ton sassibé son nom. Venez souffler avec nous ce 31 juillet à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, la première bougie de art résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Prix des tables. Table de 2 personnes, 150 000. Table de 4 personnes, 200 000. Table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au plus 229 91 71 64 64. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Hey Herman, on fait quoi ce matin? On va parler de la protection sociale de l'enfant. Tout à fait, moment de congé, pardon, de vacances pour les enfants, ouais. Et donc les enfants qui sont câblés en ce moment. Protection sociale de l'enfant, entendu comme protection de l'enfant, c'est un domaine très vaste. Ouais. L'enfant avant la naissance, l'enfant après sa naissance et même jusqu'à un certain âge. Maître, dites-nous, quand on dit pas de protection sociale de l'enfant, à quoi fait-on allusion? Quand on parle de protection sociale de l'enfant, on fait allusion à la protection de l'enfant contre toute exploitation et toute forme de violence. On parle également de la protection de l'enfant en ce qui concerne la santé, le droit à la santé, aux soins élémentaires. Donc, quand on parle de la protection, ça recoupe tout ça. Et comme vous l'avez dit, on protège l'enfant déjà, même avant sa naissance. Dès que l'enfant est conçu, et nous savons que l'enfant conçu, c'est l'enfant qui est né, c'est l'enfant entre le 180e jour et le 300e jour. Mm-hmm. On estime que l'enfant est conçu. Quand l'enfant est conçu, on le protège déjà dans le ventre de sa mère, en amenant la mère à faire les vaccinations pour protéger l'enfant, en luttant contre l'avortement, puisque l'enfant est déjà conçu. Et contre l'avortement. Et à sa naissance, lorsque l'enfant naît, on prend également les précautions, c'est-à-dire sa déclaration de naissance et toutes les formalités qui vont être faites. L'enfant doit pouvoir s'identifier par rapport à ses parents. D'ailleurs, c'est pour ça que le code de l'enfant, le code des personnes de la famille avait prévu déjà avant toutes les autres dispositions que quand la femme est enceinte et que les parents ne sont pas dans les liens de mariage, les 3 premiers mois de grossesse, le géniteur doit pouvoir aller faire la déclaration à la mairie, à un officier d'état civil pour dire que l'enfant à naître est de moi. Et de mes œuvres, je reconnais la paternité. Et c'est le jour où cette dame met au monde qu'elle donne déjà cette fille qui permet à la sage-femme de mettre le nom du père sinon, à défaut, l'enfant portera le nom de sa mère. Tout ça, c'est pour permettre à l'enfant de s'identifier, de ne pas qu'on n'ait pas des enfants apatrides au Bénin. Également, la protection de l'enfant, une fois que l'enfant est né, et toutes les formes de violence, le viol, les maltraitances et tout, les dispositions sont prises pour que l'enfant soit protégé et que des sanctions soient prononcées contre les auteurs des violations de ces droits des enfants. Je note dans le code de l'enfant qu'il y a également une protection sociale de l'enfant contre les maladies. Oui, également, c'est pour ça que j'ai parlé le droit de la protection des enfants par rapport à leur droit aux soins de santé. Et dans ça, quelle part revient à l'État? L'État a une grande part, parce que je dis toujours la protection de l'enfant et de la responsabilité de l'État relève du pouvoir régalien de l'État. C'est l'État, et d'ailleurs pour ça que vous verrez dans le code de l'enfant que l'État a pris des dispositions, en fait des structures
de protection de l'enfant sont mises en place. Il y a déjà le tribunal pour enfants. Il y a les centres de promotion sociale. Il y a l'Atti Saint-Antoine que j'aime bien citer et qui a prévu des centres dans tous les départements pour protéger les enfants, récupérer les enfants en conflit. Il y a les centres de sauvegarde. Il y a plein d'institutions qui sont mises en place pour pouvoir penser à l'avenir de l'enfant, à la protection de l'enfant au Bénin. Donc, je dis la protection de l'enfant relève du pouvoir régalien de l'État. Les dispositions sont prises. Nous avons un test que je dis, c'est vrai que c'est pas, rien n'est parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais nous avons un test qui règle déjà assez de problèmes. Il suffit que les dispositions prévues par les tests soient mises en place et qu'on respecte ce à quoi on s'est engagé. Quand vous prenez le code de l'enfant, vous avez la responsabilité de l'État, ce que l'État doit faire. Les familles indigentes, l'État doit avoir un regard. On ne va pas confondre, qu'on ne doit pas confondre à cette histoire de crédit aux pauvres. C'est vrai, on permet aux parents d'avoir une activité génératrice de revenus, mais avant que ces revenus, que ces parents commencent à avoir des revenus, en temps, il faut prendre en charge l'enfant. Il faut prendre en charge l'enfant. Par exemple, je prends les enfants dont les parents sont emprisonnés, par exemple. Ces enfants-là doivent pouvoir bénéficier de la protection de l'État. Donc, des choses doivent être mises en place. Je ne dirais pas que rien ne se fait, des choses se font. Mais il reste encore beaucoup à faire. Mais pour moi, la protection de l'enfant n'est pas encore un problème majeur pour nos gouvernants. Ce n'est pas encore une priorité en tant que tel. Maître, vous avez planté le décor, ça c'est le tronc commun, ça c'est protection sociale de l'enfant. Mais quand l'enfant se trouve en situation normale ou en situation de handicap ou dans d'autres situations, c'est à croire que les enfants, par exemple, qui vendent au marché, dans ton pas, les enfants qui dorment sous les ponts, n'ont pas de protection ou n'ont pas droit à la protection. Bien sûr, tout enfant qui est sur le territoire béninois ou retrouvé sur le territoire béninois a droit à la protection. Et nous faisons toujours ce combat-là par rapport aux enfants qui sont dans les marchés, dans ton pas. Il y a même des écoles qui sont créées dans ces marchés pour permettre, pour pouvoir sortir ces enfants de la précarité. Mais qui met ces enfants-là dans le marché? C'est encore nous, les adultes. C'est nous qui violons les droits des enfants. Et je me rappelle, il y a un an ou il y a quelques années, l'UNICEF a fait un travail où on est rentré dans les marchés, on a ramené les enfants et leurs parents et tout. Certains ont été jugés, ont pris des peines à sortir de sursis, d'autres ont pris l'engagement. Mais deux jours après, ces enfants sont retournés. Parce que tout simplement, on n'a pas les endroits adéquat pour mettre ces enfants-là. On aurait dû mettre ces enfants-là, récupérer ces enfants qui sont en danger, les mettre quelque part, les suivre pendant un certain temps, jusqu'à leur majorité pour les sortir de cette exploitation, de la traite. Mais ces enfants-là, en fait, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. On fait des actions, on prend des actions éparses, mais il n'y a pas de continuité. Tous les jours, vous allez au niveau des vulgarisateurs, vous voyez tous des gamins. Aujourd'hui, vous voyez au feu d'Akpakpa vers Sacré-Cœur, j'ai vu plein d'enfants qui avaient les petits collards là sur la tête. On vous dira que c'est des jobs de vacances. C'est des enfants qui sont en vacances. C'est pas aux enfants d'aller travailler. Les enfants doivent aller à l'école jusqu'à un certain âge. S'ils ne peuvent pas continuer l'école, on les met en apprentissage. Mais un enfant ne peut aller en apprentissage qu'à 14 ans ne peut apprendre ce que l'enfant est en mesure de supporter, ce qui est conforme à son âge, à sa force. Mais ce n'est pas aux enfants d'aller travailler. Les enfants n'ont pas demandé à naître. C'est de l'obligation des parents à se battre, à subvenir aux besoins des enfants. Et vous voyez, la mendicité est interdite par le code de l'enfant. Vous voyez les parents assis loin des feux avec les enfants au bord. Et lorsqu'on passe, on leur tire les seins, on leur tape sur les fesses, en présence des parents, tout simplement parce qu'on veut leur donner des jetons. Mais je me dis, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Parce que quand vous prenez le test, même les délégués du quartier, les chefs, les élus locaux et tout, ont des responsabilités. Qu'ils n'assument pas. Quand ils voient un enfant dans la rue, voient un enfant en situation difficile, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et ils négligent les enfants. Et vous voyez les enfants dans la rue. La dernière fois, j'ai vu des enfants jouer sous la pluie et je leur ai dit,
il pleut, quitter la pluie. Et je me suis posé la question, mais ces enfants n'ont pas de parents ou quoi? N'ont pas de parents ou quoi? Donc moi je dis, c'est une question de responsabilité en fait, mais il faut qu'on continue. L'éducation pour en arriver au changement de comportement doit être pérenne, on doit pouvoir continuer. L'une n'a le monopole du cœur, comme j'aime bien le dire, mais chacun de nous doit pouvoir. Avant de partir de chez vous, je crois que vous vous êtes assuré de ce que vos enfants ont bien dormi, ce qu'ils vont manger dans la journée. Et quand vous rentrez, il faut qu'on trouve le temps, l'étape. On a aménagé les emplois du temps, on a mis ça à 17h pour permettre aux parents d'aller. Nous sommes en vacances. Si les deux parents travaillent, il faut qu'au moins l'un puisse prendre des congés au moment où les enfants sont là, et s'occuper des enfants. Les vacances, c'est pour rester avec les enfants, les voir, que les enfants sentent de l'amour des parents. On les envoie chez telle tante, on les a, comme si la tante aussi n'a pas besoin de se retrouver seule avec ses enfants pour pouvoir profiter. Il faut qu'on explique aux parents le sens des vacances. Ça, on cherche à se dégager, à libérer les enfants. Et vous voyez plein d'enfants dans la rue. Oui. Et ça ne gêne personne. Oui. Ça ne gêne personne. L'Office central de répression, l'OCPM, est dépassé aujourd'hui. Quand vous allez là-bas, on dit tout le monde, mais il y a le Covid, il n'y a pas de place pour récupérer. L'UNICEF fait ce qu'il paraît qu'il y a un centre qui est là pour les... Mais ce n'est pas la solution. Ouais. Les enfants sont avant tout des enfants béninois. Ouais. Et c'est au Bénin de mais les actions et parce qu'ils sont faites ici. Et ici et là. Et les ONG, chaque ONG est en train de... Il faut une certaine synergie. Il faut qu'on écoute tout le monde. Personne n'a le monopole du cœur. Et il n'y a pas un service où on pense que c'est la seule c'est qu'on la peut... C'est la seule qu'on protège oui. les enfants. Le problème des enfants, ça concerne... En clair, nous sommes tous des parents. Nous avons des tests qui protègent les enfants, mais dans la pratique... Dans la pratique, les choses ne sont pas réellement mises en place et que les structures qui sont mises en place n'ont pas assez de moyens, peut-être, pour atteindre leur but. Quand je prends les centres de promotion sociale qui sont là, en principe, quand il y a un problème dans un quartier ou autre, on devra se référer au centre de promotion. Et ce centre doit pouvoir prendre des mesures pour accompagner la personne. Mais quand les gens vont au niveau des centres, ils vous disent, non, on n'a pas encore les moyens. Jusqu'aujourd'hui, ils vous disent qu'ils n'ont pas encore la subvention. Et comment vous voulez qu'on arrive à régler le problème des enfants? C'est une chaîne. Il faut que chaque maillon de la chaîne puisse assumer sa responsabilité. Catégorie des enfants en situation difficile, article 169, est considéré comme enfant en situation difficile, ayant besoin d'une protection spéciale. L'enfant qui demeure sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de ses parents, l'enfant orphelin sans famille, l'enfant dont les pères et mères sont inconnus, l'enfant dont le ou les tuteurs sont déchus de l'autorité tutélaire, l'enfant vivant avec l'un des parents, le ou les deux parents emprisonnés, l'enfant rejeté, exposé à la négligence, au vagabondage, à la mendicité, l'enfant qui manque de façon notoire et continue de protection ou ne fréquente aucun établissement scolaire ou équivalent, ou n'exerce aucune activité professionnelle. Je pense que on a une liste limitative des enfants. Voilà, et les enfants, curieusement, on a mis les enfants de personnes emprisonnées. Vous avez à la prison des enfants qui se retrouvent prisonniers du fait de leurs parents. C'est pas vrai, maître. C'est vrai, il y en a. Il y a des enfants qui sont en prison. Et quand vous lisez bien le code quelque part, je n'ai pas tous les articles en tête, il y a une disposition qui dit que l'enfant ne peut pas rester, même si l'enfant est en prison jusqu'au-delà de 3 ans. On doit pouvoir trouver une structure où mettre l'enfant. Mais ce n'est pas la réalité. Les enfants handicapés, c'est vrai, un travail se fait. On essaie de dire, ne les mettez plus dans les arrière-cours, sortez-les et tout. Mais la réalité est tout autre. Moi, je suis allée au centre des polis handicapés. Handicapés. Non, pas. C'est à Damé, quelque part dans À Gamé. Oui, à quelque part dans le Mono, j'ai oublié. Mais ce que j'ai vu, c'était dramatique. C'était les religieuses qui s'en occupaient. Oui. Des gens qui sont là et dans cette... C'est pas Djanglamé par hasard? Non, pas Djanglamé. Okay. C'est quelque part... D'accord, allez-y. Dans cette douleur,
dans cette douleur où ces enfants-là sont, où les sœurs sont obligées de faire de la culture, de faire ci et ça, de s'occuper des enfants. Il y a encore des prédateurs qui viennent. Il y a encore un prédateur qui a eu à violer un de ces enfants-là. Wow. Qui s'est retrouvé en état de grossesse. Wow. Dans cet état. Ça vous dit qu'on est en train de perdre même notre générosité de cœur, l'amour. En principe, on est en train de perdre. Mais pour des dossiers comme ça, la femme est saisie automatiquement et vous rebondissez normalement ou comment ça se passe? La femme bénin fait ce qu'elle peut. La femme bénin ne peut pas gérer tous les problèmes du Bénin. Nous avons appris un métier. Et ce métier, nous le mettons au service de nos concitoyens. Surtout de nos enfants. Parce qu'on est parti de constat. On a vu des enfants, dès lors qu'ils sont en conflit avec la loi, les parents les négligent. On les voit assis. C'est aujourd'hui qu'on est en train de prendre conscience de ce que l'enfant reste un enfant, même s'il a commis des fautes graves. Vous nous avez dit qu'il y a des parents qui n'assistent même pas aux audiences. Qui n'assistent pas aux audiences. De leurs enfants. Non, qui ne viennent pas. Et les enfants se retrouvent seuls. C'est au secours des sessions criminelles qu'un effort est fait aujourd'hui pour envoyer des convocations aux parents. Mais quand ils viennent, ils attendent que vous leur payiez les frais de déplacement, le retour. Et il y a ce volet également. Parce qu'il y a des personnes qui sont victimes de violences. Ouais. Et au cours de leur procès, pour leur procès plutôt, on les fait venir. Ouais. Et c'est dans la fond de longue distance. Ouais. Mais rien n'est mis en place pour assurer, ne serait-ce que leur offrir un repas. Ça peut donc faire que cela ne soit pas présent au procès. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Mmh. Il y a trop de choses à mettre en place. Mais lorsque vous n'êtes pas à un poste de responsabilité où vous voulez donner votre avis par rapport à quelque chose, on a l'impression que soit vous lauriez le poste, soit vous voulez mettre les bâtons dans les roues. Alors qu'il s'agit de protéger. De protéger de la réalité. On essaie d'attirer leur attention sur telle réalité. Mmh. Et l'AFAB, l'association des femmes avocates, on le fait. Mmh. Aussi bien l'AFAB. Il y a plein de structures qui interviennent. Mais pour lesquelles il faut une synergie aussi. Il faut une certaine synergie. Et moi, je veux des gens qui viennent à la protection de l'enfant parce qu'ils aiment les enfants. Pas parce que, bon... Pas parce qu'on n'a pas du travail, on crée une ONG, on capte des financements, on commence par avoir un salaire, une 4x4 secrétaire. Non, c'est pas ça. Pour moi, d'où on est, quels qu'en soient les moyens qu'on a, si c'est un franc, si on peut mettre la moitié... Si c'est 50, 25 francs pour aider un enfant en souffrance qui est devant vous, faites-le. Et comme on le dit dans la Bible, ce que vous faites à un enfant, c'est à Dieu que vous le faites. Et je suis malheureuse quand je vois les enfants de mon pays en souffrance. Et beaucoup d'enfants souffrent au Bénin. Et c'est parce que leur mère peut-être souffre. Oui. Leur mère souffre parce qu'il y a des femmes qui voient battre leurs enfants, mais qui ne peuvent pas parler parce qu'elles sont dépendantes du monsieur. Du monsieur. Elles sont entretenues par le monsieur. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire pour amener les gens à un changement de comportement. Et ça, là, monsieur Herman, monsieur Nadeja, je vous remercie énormément de m'offrir ce plateau. Merci. C'est nous. Pour dire que nous avons des enfants qui sont malheureux. Et que nous ne pouvons pas être heureux tant que ces enfants-là sont dans les rues, sont dans les marchés, dorment le ventre vide. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas être fier lorsqu'on est mère ou père et savoir que quelque part, il y a un enfant qui a dormi dans le marché dans ton pas en cette saison de pluie. Ouais. Qui a un enfant qui, ce matin, a de l'eau sur la tête. Son moustiquaire, surtout. Oui, voilà. Et un regard pour nos enfants qui sont emprisonnés également. Il lui arrive de manquer de tout. Et vous l'avez toujours rappelé, hein, ces enfants mineurs qui sont gardés dans les maisons d'arrêt. Qui n'ont pas leur place là-bas, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait. On doit pouvoir trouver des structures pour les amener. Ce n'est pas la peine d'aller jeter quelqu'un en prison s'il n'y a pas un suivi. Ouais. Heureusement, je le dis encore, il y a des ONG qui interviennent. Quand les enfants viennent en session criminelle, vous leur dites aujourd'hui, avec le recul, vous pensez que ce que vous avez, les enfants vous disent, en temps, les ONG sont passées, ils m'ont appris que je devais faire ci, je devais faire ça. Les enfants qui sont en prison pour viol, il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre à gérer leur sexualité. Leur apprendre à vivre ensemble avec des femmes tout en maîtrisant leur...
Et les gens qui sont en prison également, il faut pouvoir gérer leur hommes qui sont là. C'est déjà heureux qu'un effort soit fait ces derniers temps pour que l'enfant, sinon avant, c'est l'enfant qui commet le crime, mais il est jugé en tant que... Oui, on vient, on prend des réquisitions, mais aujourd'hui, l'enfant, quand même, il y a un regard... Bienveillant. Et on essaie de l'accompagner. Et les assistants sociaux, en tout cas, je travaille avec ceux de Cotonou et Calavi, qui sont vraiment... responsable et qui essaie d'accompagner. Vous savez que on a acheté des fils à ces enfants-là qui font des sacs qui sont été revendus. On a fait une exposition et des fonds ont été récupérés et qui permettent d'accompagner ces enfants qui ont été jugés et qui doivent réintégrer la société. Parce que ça aussi, l'État doit en tenir compte. On doit pouvoir mettre une structure en place pour suivre ces enfants-là. Et quand l'assistance sociale n'a pas de moyens de déplacement, n'a rien, comment ils peuvent aller sur... Un pays où on n'a pas de cadastre, où aujourd'hui l'enfant est là, demain il sort, il dort sur un tas de ferraille, l'assistance sociale, voilà. Tout est à refaire, Je pense que l'autre angle qu'on va aborder la prochaine fois, il s'agit des enfants en situation de migration aussi. Est-ce que, comment la loi les protège et tout et tout, si vous voulez, tout enfant retrouvé au Bénin, et quand vous prenez la loi sur la nouvelle loi sur l'état civil, ça a été prévu. Okay. Lorsque un enfant est retrouvé en territoire béninois, il faut nécessairement, on lui établit un acte de naissance. Ouais. Oui, tout enfant retrouvé. Ça nous permet d'éviter d'avoir des enfants apatrides. Merci Maître Saison Médine. C'est un plaisir. Merci Christian. Très grand plaisir. Merci beaucoup Herman. Bon retour à vous Maître Alexandrine Saison Médine. Enfin le point de l'actualité, c'est la revue de presse avec Assiomo Kanyassiomo. Toutes et à tous, bonjour. Le renouvellement de la classe politique fait le premier titre de Fraternité qui constate que sur la scène politique au Bénin, une génération est en train de s'éclipser lentement mais sûrement. Une autre restée longtemps dans les coulisses fait son entrée et doit prouver aux sceptiques qu'elle n'a pas volé son passage de témoin. Illustration d'un phénomène de renouvellement générationnel de personnalité nécessaire à toute survivance d'un groupement est faite avec les derniers changements opérés dans les instances de l'Union progressiste. Dans les autres chapelles politiques frappées par la sénilité des dirigeants encore en place, à la tête des bureaux exécutifs et autres, sans doute la jeunesse s'impatiente déjà de prendre le pouvoir à l'image de ce qui se passe à l'UP. Avec les changements opérés au sein du bureau politique de l'UP, les députés carriéristes doivent craindre pour leur retour au Parlement, écrit Matin Libre, pour lequel le nouveau président de l'UP ou le chef de l'État peuvent décider d'opter pour la seconde option, c'est-à-dire tous ceux qui ont déjà totalisé 3 mandats devront laisser leur place. Une manière de régler la question une fois pour toutes. Le ton est donné. Jeune, le temps d'assurer, affiche Bénin Intelligent qui écrit que les élections législatives de janvier 2023 seront l'occasion de privilégier les jeunes lors des positionnements à la tête des partis politiques, sans oublier, bien sûr, les femmes. La vieillesse étant humaine, il ne suffit pas de promouvoir des jeunes, juste parraine des vieux. Encore faut-il s'assurer que ces derniers ont suffisamment appris des vieux, aussi bien de leurs erreurs que de leurs mérites. De sorte que le bilan politique et socio-économique du Bénin, dans quelques années, les honore. Et dans les colonnes de Fraternité, Kadiri Gandé Bata, coordonnateur bloc républicain à Parakou au sujet des législatives de 2023, estime que les jeunes doivent prendre conscience que la violence ne mène à rien. Son objectif, selon le journal, c'est sensibiliser les jeunes à s'enrôler et à traverser une période électorale apaisée. Dans la suite, l'économiste du Bénin fait cas de ce que le Bénin a fait des progrès considérables en matière de gestion macroéconomique durant les 5 dernières années, mais la détérioration de la situation sécuritaire à caractère régional dans le nord du pays, les répercussions de la COVID-19 et le renchérissement du coût de la vie en lien avec la guerre en Ukraine pourraient mettre à mal les gains économiques durement acquis par le pays. Ainsi, le Bénin a accédé au mécanisme élargi de crédit
et à la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Il est aussi question ce jour dans quelques journaux de l'autonomie énergétique du Bénin. À en croire le matinal, la première centrale solaire photovoltaïque a été inaugurée pour alimenter 40 000 foyers. L'événement précis explique que l'objectif de la construction de cette infrastructure énergétique vise à augmenter les capacités de production énergétique au Bénin, à moderniser le système d'information de la SBE, à lutter contre le chômage, l'oisiveté et l'exode des jeunes en leur offrant des emplois rémunérateurs. Pour les quatre vérités, Talon et Wousou poursuivent la dynamique de l'autonomie énergétique au Bénin. Et puis en une de Vif d'Afrique, exécution d'une décision de justice contre Sébastien Adjavon. À en croire le journal, les choses vont de mal en pire pour l'opposant béninois et candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Dans une décision de justice, les biens de Sébastien Adjavon avaient été saisis il y a quelques jours. Ils seront finalement mis aux enchères selon l'ordonnance rendue par le juge en charge du dossier. Info Matin de préciser qu'un peu plus de 100 millions de francs CFA de biens sont mis en vente. Merci d'avoir suivi la revue de presse. On aura fait le tour de l'actualité au réveil ce mercredi 20 juin 2022 sur Canal 3. Chez vous, c'était Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Allez, passez une excellente journée. Portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.